M'appelle Jack Jack, je suis un Mac Mac, et quand je claque claque, des doigts les femmes se jettent sur moi. Je suis un charmeur, un jaguar, un voleur, mais n'ayez pas peur, je ne prendrai que votre cœur. Bienvenue chez les brocards, non il n'est pas trop tard, avec mon frère Michel, on fera pousser des ailes. Ça vous dirait de sortir faire un tour? Je vais y réfléchir. Pourquoi pas y réfléchir autour d'un verre? Je vous présente mon frère Michel. Parce qu'avec Jacques et Michel... Le duo éternel pour ravir toutes les belles. Merci. Vous savez, je ne suis peut-être pas un as. Mais si vous décidiez d'être ma dame de cœur, vous feriez de moi votre roi. Qu'est-ce que vous faites dans notre sympathique bourgade? Eh bien, on m'a dit le plus grand bien de votre région, qu'elle refilait de nombreux entrées. Allons, voyons. Vous n'avez pas besoin de me mentir. Je sais tout. Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Vraiment? Détective? Eh bien, on ne peut vraiment rien vous cacher. J'espère que vous allez coopérer. Évidemment. Je répondrai à toutes vos questions. Et si jamais le besoin s'en fait sentir, je vous aiderai dans toutes vos interrogations. Pour commencer, vous pourriez me montrer votre magnifique village. Évidemment. Je vous suis. Henri Berlu, notre petit alcoolique du village. Il est souvent écroulé à cause de la boisson. Ah ben voilà, le couple Tourteau, c'est nos jeunes mariés locaux. Un couple irréprochable, ils s'aiment comme des fous. Ça en est presque louche. Ça, c'est la grande Zaza, notre prostituée. Ah, elle doit être au travail. Je souhaiterais vous revoir. Mais d'ailleurs, comment dois-je vous appeler? Geneviève. Tout simplement Geneviève. Eh bien, tout simplement, Geneviève, que diriez-vous de nous retrouver un peu plus tard, près du lac, pour un tête-à-tête? Votre heure sera la mienne. Eh bien, mon heure sera dans 30 minutes. J'y suis déjà. Allez-y, Geneviève, couvrez-vous. Oh, je suis vraiment désolé, hein. Je sais que vous avez promis le lac, mais avec ce temps de chien... Je préférais pas prendre le risque. En tout cas, heureusement que vous êtes là parce que votre seule présence réussit à réchauffer mon cœur et mes vêtements. Oh, quand vous dites ça, je vole, Jacques, je vole. Vous savez, Geneviève, je ne vous connais pas depuis très longtemps, mais vous savez, j'ai quand même connu beaucoup de femmes dans ma vie. Je dirais pas jusqu'à dire que je suis un séducteur, mais j'ai quand même eu mon lot de petits brins de femmes côté de moi pendant ces années. Alors, c'est vrai que parfois je peux paraître un peu bourru, un peu mystérieux, mais au final, je pense que c'est auprès d'une femme comme vous que
Un homme comme moi peut totalement s'épanouir. Que diriez-vous de partir en vacances? Que se passe-t-il, Geneviève? Détective. Vous inquiétez pas, détective. Vous avez bien fait. Ça faisait longtemps qu'il le cherchait. Rentrez chez vous, détective. Il n'y aura plus. Et au fond, vous savez que vous n'êtes pas à votre place. Allez, partez.